Tikana prophétiser na vie. Bisika balinga bazokufa kokufa te. Eloko epomi tata na yo ekopoma yo te. Eloko epomi mama ekopoma yo te. Yaye. Les jours de chaque chrétien. Bon tournant. Va savoir. Que la vie est spirituelle. Et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe? A partir de l'élo, na commission intouchable. Amen. Na commission invisible. Na yoko kosa yo na linye ya batu ba isapa makambo ya denye wan. Aleluya. Je vais venir devant toi à ce moment. Où que nous soyons dans nos maisons, nous nous humilions devant toi. Nous nous humilions devant ta grandeur. Le Dieu de tout esprit. Le créateur de toutes choses. Le début et la fin de toutes choses. Alpha et Omega. Tu es appelé Alpha et Omega. Tu es Dieu, il n'y a pas de semblable à toi. Merci pour la m'attendre pour tout. Merci pour la gonga. Merci pour ce moment. De partager la parole de vie. Laisse que ta parole touche le cœur de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ce moment. Pour que les téléspectateurs nous suivent dans le monde. Et laisse que ta parole tout place dans leur cœur. Que ta parole apporte transformation et visitation à bon moyen à bambo. Et ça va témoigner. Que ça apporte témoignage. Et délivre. Et bikisa. Transforme. Na komo na Yesu Masi. Guéris au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu mon. Maintenant de mon côté au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Une fois encore, na yeli bino mbote na komo ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Azana esengo. J'ai la joie d'être là où vous êtes, au travers de l'écran que vous recevez. Je sais que la parole de ce matin impact surnaturel dans la vie à chacun de vous. Apportera de l'impact dans vos vies.
C'est le moment d'entendre ce genre d'enseignement. C'est le moment d'entendre Matéa Boye. Alléluia. Amen. Dernièrement, tu l'as dit, nous avons parlé le mystère de l'huile d'onction. La fois dernière, nous avons parlé de l'huile d'onction. Tu y as quelle signification? Il y a mon mystère du royaume. Nous avions entendu qu'est-ce que signifiait le vérité cachée. Nous avions appris que c'était des vérités selon cachées. Marc 4 verset 11. Cela nous sera Marc 4 verset. Parole vivante. Dans la version parole vivante. Alors les mots mystère et la vérité cachée. Il a dit mystère égale la vérité cachée. Est-ce que vous tanga pour n'engager noki noki? Est-ce que vous pouvez lire pour nous Parole vivante s'il vous plaît. Chapitre 4 verset 11. Marc chapitre 4 verset 11 oui. Version parole vivante. Il leur dit: vous avez reçu le privilège de comprendre les vérités cachées du règne de Dieu. Alobi, vous avez reçu le privilège de connaître les vérités cachées du règne de Dieu. So, na Marc 11 verset Marc 4 verset 11 na version parole vivante. Atalis biso ke eloko to bengi mystère du royaume et sa vérité cachée. Quand on parle de mystère du royaume égale la vérité cachée dans la version, Darby, la version Darby, et il leur dit à vous, il est donné de connaître, okay, de connaître les mystères du royaume, mais la parole vivante à l'objet des vérités cachées du royaume. La version parole vivante, on parle de mystère du royaume comme de vérité cachée. C'est pour nous dire les mots mystère du royaume. Mystère du royaume, et l'objet vérité caché. Et quand la boye bi oyo et batama. Et moko ya ba vérité cachée du royaume. Et l'une de vérité cachée. Mystère de l'huile d'onction. Et zali mafuta. Mystère de sang de Jésus. Et zali ba mamé ya makila na Yesu. Yango moni ke ba sujet oyo. Ces sujets. Ba mutsusu ba critique kayango. Certaines personnes les critiquent. Oh, lui-même a dit, il est très important de connaître zali ni connaissance koye ba. Pendant que Jésus nous appelle à connaître ces choses. C'est Jésus qui a dit ça. Et Jésus, c'est son Seigneur, mon Seigneur qui a dit ça. Yesu na yope, Yesu na nganda lobiango. Qu'il faut connaître. Et Seigneur to yeba. So, il y a certaines choses dans la parole de Dieu qui sont des vérités cachées, mais beaucoup ba yebi angote. Et ça na makamo na katelo ba ensemble o yeba tama que plusieurs ne connaissent. Yango ba critique ka yango. Voilà pourquoi il parle du mal. Oh, et ça na place. Pendant qu'ils ont leur importance. Et ça na ils sont de l'importance. Ils ont un temps. Surtout dans Gonga Tuzali. Et surtout en ce moment. On a besoin des mystères du royaume. Nous avons besoin des mystères du royaume. Plus que par avant. Collègues, écoute les bossos. Parce que même ceux qui pasteur n'a eu à Zamoué, il n'y a pas eu à Zate. Même si ton pasteur est disponible, il ne saurait venir là où mais tu es. Mais Dieu est avec toi. Mais Yahweh Zahé. Sa parole est avec toi. Ses vérités sont avec toi. Mais solo n'a eu à Zamoué. Ses vérités. Le royaume est avec toi. Et le cousin a besoin aussi en quoi appliquer. Ton travail c'est d'appliquer, c'est pour mon alopoko. Et tu verras la main de Jésus-Christ. Et ça, besoin plus que par avant. Et c'est maintenant dans ce temps de trouble qu'on a besoin du mystère du royaume. Amen. Aujourd'hui, Lelo, nous continuons dans les Écritures. À part à lui d'onction. En dehors de lui d'onction, le mystère du sang. Nous avons le mystère Yamakila na Yesu. Voilà, le mystère du sang de Jésus. Ma bon mamie ya makila na Yesu. Zana linga ko banda eloko apati ancienne te pona po ma munoko yo ya critique. J'aime commencer toujours les enseignements par l'Ancien Testament pour contrecarrer tous les critiques. Ezali na Ancien Testament, ezali pe na Nouveau Testament. Pour que tu comprennes que c'est tout dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle. Pour mona que c'est la parole de Dieu. Pour que tu comprennes ezali lo ba Yahweh, ya papa d'ayote. Soki to kei na makomi. Si nous allons dans les Écritures, et nous lisons dans Exode chapitre 12. Dans le livre d'Exode chapitre 12, Zambé, Dieu, pas Satan, non pas Satan, Zambé, Yahweh, MC Moïse, dit à Moïse. L'esprit destructeur frappera tout l'Égypte. Mais va dire à mon peuple. Chaque famille. Libot d'Agnon son tâche. Qu'ils prennent moi dans un pâté à Zanga Mabé. Qui était l'image de Jésus Christ. Babo Mayango. Qu'il le tue. Qu'il mange la chair. Cette même nuit, qu'ils prennent le sang de la Dieu, qu'ils l'appliquent au linteau de leur maison.
Et lorsque l'esprit d'instructeur passera, il aura à voir le son et il ne touchera pas les maisons. Et Salamaki. Olingami, ça s'est passé tel. Esprit de mort et petit n'amboka. Molimo et aliwa bête qui d'Egypte. Mais aucun des fils de Dieu, toutes ces choses sont écrites et comment pour nous servir en tant que exemple et référence. Je prie pour toi. Toutes ces pandémies ne te touchera ni toi ni ta maison. Dis amen là où tu es. Amen. Exode 12. Exode chapitre 12. Nagumbambelio. Alléluia. Nagumbambelio. Ancien de Dieu. Nagumbambelio. 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 Toku bambelio, toku bambelio, toku bambelio. Asiende, naku bambelio, naku bambelio, naku bambelio. Chapitre 12 à partir de verset 1 jusqu'à verset 5. Exode chapitre 12 à partir de verset 1er, version Darby. Et l'Éternel parla à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, disant, verset 2, ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, disant, au 10e jour de ce mois, vous prendrez chacun un agneau. Par maison de père, un agneau par maison. 4. Voilà, Omoni, bazwa agneau par maison de père, chaque famille. Agneau wana, tango Jean-Baptiste, Omoni Yesu, n'ancienne, dans le Nouveau Testament. Abou, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui a été immolé. Awa, et loko bazwa appliqué awa, et ça symbole, et zo like ça. Makila ya Yesu. Ça symbolise le sang de Jésus-Christ. Voilà, continuez. Verset 4. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, que lui et son voisin le plus rapproché de sa maison le prennent selon le nombre des âmes, vous compterez pour l'agneau d'après ce que chacun peut manger. 5. Donc, vous aurez un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Un agneau sans défaut. Son défaut, son tâche. Qui est agneau sans tâche? Jésus. Jésus Christ. Nani l'homme sans péché? Qui est l'homme sans péché? Jésus Christ. Seul Jésus Christ. Son service baso salawana. Le service qu'ils ont fait là. À l'époque. En ce temps-là. Et ça. C'était le sang de Jésus Christ. Ce qui est battu là qui bango na molimo ya liwa na Egypte. Molimo ya liwa ils ont ravagé mon kililelo et qu'on battait là. Amen.
Si ça les a protégés en ces temps-là de l'esprit des morts, aujourd'hui encore le sang de Jésus nous protégera de l'esprit des morts. Le mystère du sang de Jésus. Les hommes spirituels connaissent la puissance et dans le monde de ténèbres. Même dans le monde de ténèbres, ils savent ça. Mais malheureux. Mais mawa. Voilà pourquoi Dieu crie, mon peuple à moi, périsse à cause de manque de connaissance. Mawa, pour le peuple de Dieu qui ne connaissent pas leurs droits, voilà pourquoi Dieu est en train de pleurer. Oui, batonanga bazoku pour être bazangi boyebi. L'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. C'était un agneau. Et ça là qui mourra dans le baptême. Dans le Nouveau Testament. Et quand c'est dans le Nouveau Testament. C'était privage. Et ça là qui est le problème là. Dieu utilise tout le temps. Zamba c'est la galata on est matériel. Biloko pour communiquer. Bon ako. Sa puissance. Oui, en Ancien Testament c'était. Mais dans le Nouveau Testament. C'était le privage. Et ça là qui est loco à Komela. Et loco à Komela. Continue. Verset 5. Verset 5. Vous aurez un agneau sans défaut, mâle à Gédano. Vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres. 6. Ils ont représenté Nani. Ça représente qui? Babenyango, un agneau mâle ou femelle. Jésus a attaqué Nani. Jésus est venu en tant que qui? Non, Natuni a attaqué Nani physiquement. En tant qu'un homme, un mâle. Je te montre la révélation. Nazola qui sont à bon bami. Alléluia. Maintenant, tu sautes. Verset 7. Verset 7. Et ils prendront son sang. Continuez même. 5, 6, 7. 5. Ouais. Vous aurez un agneau sans défaut, oui. Mâle, âgé d'un an. Vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres. Ouais. 6. Et vous le tiendrez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël l'égorgera entre les deux soirs. Voilà. 7. Ils prendront de son sang et en mettront sur les deux poteaux et sur les lintons de la porte aux maisons dans lesquelles ils le mangeront. Aujourd'hui, tu es la maison de Dieu. Temple Yazambe. Tu deviens le temple de Dieu. Paul Alobi ne savait pas que vous êtes le temple de Dieu. Paul Alobi, on ne peut toucher la maison de Dieu. Pandémie, mon côté, c'est une pandémie. Continue. Verset 8. Et ils en mangeront la chair cette nuit-là. Ils la mangeront rôti au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Alléluia. Amen. 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 Lingala verset 1er. Na Égypte, Yahweh alobi boye na Moïse ben na Aaron. Verset 2. Sansa oyo ekozala bona bino sansa ya liboso. Ekozala ebaneli ya mula. Verset 3. Boloba na lisanga mobimba ya Israël boye. Mokolo ya zomi na sanza oyo na libota moko moko to na ndako moko moko baluka mwana meme moko to mwana ntaba. 4. Soki na libota moko bato baleki moke po basilisa nyama mobimba basangana na libota ya pembeni. Voilà. Po na kokokisa talo ya bato boko boko pona niyama oyo ekokoka pona te bato nyonso balia. 5. Niyama yango esengeli kozala ya mobali ya mbula moko oyo ebeba ata esika moko te. Ebeba ata esika moko. Yesu kaka nde l'homme sans défaut. Amen. C'est Jésus l'homme sans défaut. Continue. Boko pona yango na kati ya ba meme to bantaba. Verset 7. Boko kamata makila na yango pe boko pakola na makonzi mibale pe na libaya ya likoyo oyo esimbaka porte ya bandako sika bokolia. Voilà. Verset 8. Boko tumba yango na moto pe kaka na butu wana bakolia yango na mapa ya kovimba te po pe na ndunda ya bololo. Ok. Verset 9, version Darby. Vous n'en mangerez pas qui soit à demi cuit ou qui a été cuit dans l'eau, mais rôti au feu, la tête et les jambes et l'intérieur. Verset 9. Bokolia ni
bokolia nyama yango ya mobesu to ya kolamba te kasi bokolia yango mobimba ya kotumba na mutu na makolo pe biloko na yango ya kati 10 et vous non rien de reste jusqu'au matin de ceux qui ont resteré jusqu'au matin vous les brûlerez au feu verset 10 bobomba adan nambute pona lobi soki mwandambo eko etikali lobi na tongo osengeli kozikisa yango na moto verset 11 et vous le mangerez ainsi vos rancins vos sandales à vos pieds et votre bâton en votre main et vous le mangerez à la hâte c'est la Pâque de l'Éternel verset 11 bokolia yango boye osengeli kokanga mokaba na loketo kolata ba sandale na makolo pe kosimba nzete na maboko bokolia yango mbangu mbangu wana ekozala feti na bino ya koleka mpo na kokumisa ngai Yawe alleluya verset 12 et je passerai par les pays d'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte depuis l'homme jusqu'aux bêtes et j'exercerai de jugement sur tous les dieux de l'Égypte. Alléluia. Je suis l'Éternel. Verset Lingala, verset 12. Bongo Yahweh abakisi, nabutu yango na koleka na Égypte, pe nakombo mabana ya liboso nyonso ya ba Égyptiens, ezala oyo ya bato to ya banyama. Ngai Yahweh nakopesa banzambe nyonso ya Égypte etumbu. 13. Et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie à destruction au milieu de vous, quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 13. Makina oyo boko pakola nabanda ko sika busangani, et kozala elembo oyo eko lakisa banda ko nabino. Na komona makila na koleka na kosala bino eloko te boye liwa ekozwa bino te tango na kopesa mboka ya Egypte etumbu alobi na komona makila na koleka je verrai les liwa ekosimba bino et la mort ne vous touchera point bien aimé moko ya ba mystère du royaume l'un des mystères du royaume zambe apesi biso Dieu nous a donné sa makila c'est le sang makila Eza ele molikolo ya ba oyo ya ye. Le sang est un signe à ceux qui lui appartiennent. Na ye ko marke yo. Je viens te marquer. Amen. Na ye ko tie elembo. Je viens placer un signe na Yesu. Du sang de likolo na yo. Sur toi. Likolo ya libota na yo. Sur ta famille. Makila eko komisa yo intouchable. Le sang de Jésus te rendra intouchable. De konanga molimo aliwa eza molimo aliwa. Bien aimé la mort est la mort. Même molimo aliwa est ravagé Egypte kaka yango yo ezo salema na pandemic oyo. L'exterminateur qui ravagea l'Egypte c'est le même Mais qui ravage encore. Je viens te dire. Bakomona makila na Yesu. Il verra le sang. Akosimba yo. Et ne te touchera point. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Voyez. Ce sont des mystères. Et ça m'a bon m'amener. Ils l'ont vécu à cause du sang. Ma longa qui est pour la makila na Yesu. À cause du sang. Pour la makila. Puis on peut longa. Et nous aussi nous vaincrons à cause du sang. Apocalypse 12, 11, alors ils l'ont vécu à cause du sang. Il dit Jésus. Ma longa qui est pour la makila na Yesu Christ. Ce qui bango ma longa qui n'attend rien. S'ils ont vécu en ce temps-là. Molimo ya liwa eye. L'esprit de mort est passé. Frappé Égypte. Il frappa tout l'Égypte. Mais Esimba qui bango te. Mais aucun d'eux n'était touché. Nous aussi. Bisopé. Ça, c'est l'alliance du sang dans l'Alliance dans l'Ancien Testament. Jésus est venu les renouveler par la nouvelle alliance. Dans le Nouveau Testament, il y a un maté. Le Nouveau Testament ne tue pas un agneau. Le Nouveau Testament a signé breuvage. Il a touché notamment un breuvage. À Pamboli. Il a béni. Alors, ça, c'est la nouvelle alliance dans mon sang. Alobi oezaboyo kaniesika na kati makila na ngai. Verset pour vous. Oezo pani pona bino. Tu peux imaginer ça? Est-ce que vous pouvez comprendre? Révélation nini zambe alipsinga? Tu sais qu'est-ce que Dieu m'a dit maintenant? Tango azo luba wana. Pendant qu'il parlait là. Dans Luc 22. Dans Luc 22. 19. Verset 19. Nanu akeina ikulusute. Il n'était pas encore mort à la croix. Amen.
Mais ayebi déjà intention na ye. Il savait déjà qu'est-ce qu'il allait faire. Talana nozo averti biso. Il nous avertissait pour ça c'est la nouvelle alliance dans mon sang. Oh ezabo yo kanesi kama. Qui est versé pour vous. Oh sopani pona bino. Na ne sopana kite. Mais à ce moment-là, je n'ai pas encore versé. My God. Yes. Mais assis à l'lobby parce qu'il y a une place à son kende. Il prophétisait déjà parce qu'il savait qu'il allait mourir pour nous. Voilà. Yes. Il a conversé ce matin pour Natina. Il savait qu'il allait verser son sang pour une raison. Et Apocalypse 12 dit, ils l'ont vaincu à cause de sang. Et Apocalypse chapitre 5 verset 12 a dit, Balonga qui est pour Namakila. Ça c'est la nouvelle alliance dans mon sang. Si il a dit la nouvelle alliance dans mon sang, il y avait une ancienne alliance. Si il y a une nouvelle, donc il y a galapé. Ancienne alliance yangoyo. Boyokani akalaya. Babo makantaba. On tuait agneau. L'agneau. Mais la nouvelle alliance. Mais dans la nouvelle alliance. Les abreuvages. Les alliés. Et le koya malamo mon Christ a commis là. Nasambeli pona yo. Je prie pour toi. Mille tombera à ta gauche. Tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. La bombe de Jésus Christ. Dans Apocalypse 12, 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Version Darby. Et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Si eux ils l'ont vaincu, bongo biso. Natuni bongo biso. Et alors nous, eux ils l'ont vaincu, bongo biso. Bango balonga ki pona makila. Alors nous. C'est ça. Et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? Du sang de l'agneau. Et à cause des paroles de leur témoignage. Témoigner. Il faut témoigner. Promesse yonso ils ont garanti protection na yo préservation na yo. C'est ce que j'ai dit. En ce moment commence à témoigner les paroles, les promesses de Dieu. Ils ont gâté comme na kozala na souci. Non, c'est le temps. Ils ont déclaré, je suis le temple de Dieu. Là où habite Dieu. Et si kanzambe par son esprit. Là où habite Dieu. Une autre chose, un autre esprit diabolique, satanique ne peut pas habiter. Là où habite Dieu, Corona ne peut pas habiter là-bas. Je suis le temple de Dieu. Je ne suis pas le temple des maladies. Je suis le temple de Dieu. Là où habite Dieu par son esprit. Jésus est en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il n'a pas dit Christ en moi, l'espérance des maladies. Il ne m'a pas dit que Christ en moi, l'espérance de l'oppression. C'est Jésus-Christ qui est en moi. Et ce n'est plus moi dans ensemble qui vit. C'est Jésus qui vit à travers de moi. Et la vie que j'ai menée ici par, je la mène par ma foi en Christ Jésus. Si Jésus est intouchable, moi aussi je suis intouchable. Vous témoignez qu'on dit maintenant n'a pas la parole. Ta foi par la parole de Dieu. C'est le temps. Tous ceux qui ont né de Dieu, vaincre les morts. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux du monde. Tu déclares ta foi. Alléluia. Verset Lingala. Apocalypse 12, verset 11. Oui. Bango balongi ye pona makila ya mwana meme. Bango balongi ye pona nini? Makila ya mwana meme. Ya mwana meme ke Jésus. Amen. Soki bango balongi ye bongo biso. Si ils ont vécu, alors nous. Bongo biso. Alors nous autres. Ah, continue. Pe pona maloba ya nzambe oyo bazalaki ko sakola. Opa ya kata pata pata. Yes. Pona maloba ya nzambe oyo bazalaki ko sakola. Neko ngonga ya komada ko sakola yango oyo. C'est le moment de prophétiser. Olio zo banga ozo sakola oyo za lunga ti. Tu déclares le parole de Dieu. Na kokufa te. Je mourrai pas. Et komami na liloba na. Il est écrit dans sa parole. Ni la gauche. Ni la droite. Mais je ne serai pas atteint. Kasi na ko sakola. Nda kuna ga nous serons pas atteints. Na kuna ko ozo sakola oyo za mbia lobi. Je proclame la parole de Dieu. Alléluia. Yes. Amen. Celui qui est né de nombre. Celui qui est né de Dieu. Et Dieu. Je suis né de l'esprit. Je suis né de l'esprit. L'esprit ne peut mourir. L'esprit est intouchable. Je suis intouchable. Alléluia. Commence à prophétiser.
la parole de Dieu, les promesses de Yahweh. En ce qui te concerne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel, l'onction brise tous les jours. Et comme ami, ma foute est bouca camino. Tu témoignes. Ne touche pas. Si amen. Moi, je suis intouchable. Amen. Alléluia. Ils ont vaincu Balonga, Bango, Balongi, Namakina. Ils ont vaincu na Maloba, le sang et le témoignage de Dieu qui prophétise. Alors, nous qui sommes. Oh my God. Alléluia. Yes. Voilà ce que tu dis. J'aimerais que nous entrions en Exode. Verset 23. Exode chapitre 12. Je pense que tu es béni là où tu es. Si tu as ton jus, place-le devant. Yes. Toi. Nous pratiquons directement. Alléluia. Amen. Tu entends l'enseignement et tu pratiques. Mon Dieu s'est manifesté en ces temps. Amen. Pour te montrer qu'il est Yahweh. Vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est réel. Amen. Alléluia. Puisque là où l'intelligence humaine se limite, là où Dieu manifeste ta gloire. Alléluia. Amen. Oui. Exode chapitre 12, oui. Verset 23. Car l'Éternel passera pour frapper les Égyptiens, et il verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux. Voilà. Et l'Éternel passera par-dessus la porte, et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Je prophétise sur toi, aucun destructeur. Ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper et permettre. Maintenant, il faut sakola biloko yo na vie na yo na ndako na yo na bana na yo. Amen. Il a dit akoti kanzelete ki mo baby sa ko ta baby sa. Ce sont ces genres de promesses que tu dois proclamer sur ta vie, sur ta maison. Lingala. Version Lingala, verset 23. Yes. Yahweh akokati sa mboka mobimba pour aboma ba égyptien. Kasi esika akomona makila na mabaya oyo esimba ka porte akoleka pe akop Pekisa, angelou na ye oyo abomaka akota na ndako yango te pona koboma. Hallelujah. Amen. Bandela lisusu. Verset 23. Yahweh akokatisa mboka mobimba po aboma ba égyptien. Oui. Kasi esika akomona makila na mabaya oyo esimba ka porte. Oui. Akoleka pe akopekisa angelou na ye oyo abomaka akota na ndako yango te pona koboma. Yango ezo salema. C'est ce qui se passe. L'ange destructeur angelou abomaka ye moko alobi akopekisa. L'Éternel a dit il interdit. Soki amoni bilembo quand il verra le son elembo moko ainsi de son yango nous serons marqués à ce temps ici. Voilà pourquoi Dieu nous marquera en attendant. Selon ce que je nous ai prêché dans le matin prophétique. Il y a des gens qui seront marqués. Amen. C'est écrit sur leur esprit. Même l'esprit de la mort sera ne pas le toucher. Sera ne touchez pas. Par ses services. Tu vas asperger le sang de Jésus sur ton corps, sur ta maison, sur ta famille. Chaque jour. Tu veux tous les jours. Avant de dormir, tu appliques le sang. Le matin, tu aspires. Juste des gouttelettes, tu les jettes dans tous les coins de la maison. Yes. Et c'est fini. L'esprit de la mort verra le sang et n'osera même pas s'approcher. Amen. Amen. Yes. Version français courant, verset 23. Voilà. Le Seigneur va passer pour punir les Égyptiens. Mais lorsque. C'est ce qui arrive maintenant. L'Éternel passera pour punir les Égyptiens. Mais lorsqu'il verra le sang sur les montants et sur la poutre. Yes. Il passera sans permettre au fléau destructeur
de pénétrer dans vos maisons. Ok. Mais ça, c'est l'ancien testament. C'est là, papa, quelqu'un dit que c'est l'ancien testament. Attends, tu vas voir la suite. Je te ferai montrer aussi dans le Nouveau Testament. Est-ce que tu as entendu bien aimé? Ça, c'est l'ancien testament. Ne conteste pas la parole de Dieu que c'est l'ancien testament. Sois tranquille. Ne panique pas. Je vais aussi te le démontrer dans la Nouvelle Alliance. Tout ce qu'on prêche ici, je vais te démontrer dans l'ancien. Je te montrerai ça dans l'ancienne alliance. Ça, c'est ce qu'ils font à l'ancienne alliance. Ouais, je vais te montrer aussi qu'il y en a aussi dans la nouvelle alliance. Et ça, nous avons gagné Sika. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y de l'avant. Déjà. Tu as vu ça? L'alliance du sang. Comment cela peut te protéger? Si ça les a protégés, ça nous protégera nous autres aussi en ce temps. Parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Allons-y dans Zacharie, chapitre 9. C'est une alliance. Et Dieu ne renie jamais si quelque chose, alliance. Il le fera. Quand il dit une chose, il ne brise pas son alliance. Tu peux mettre confiance sur ça. Alliance du sang. Ça ne rate jamais. Ils ont versé le sang. Il y a agneau, son tâche, son défaut. Ce qui symbolisait Jésus. L'agneau original. L'agneau est solo solo. Mon limo y a destructeur. Mon limo est bomaka. Et continamboka. Entra dans le pays d'Égypte. Amoni et lembo. Avait vu le Amoni pi lembo ya makila. Les signes na bandaku na bango. Sur les maisons des enfants d'Israël. Simbi mon côté. Et nous avons touché. Aujourd'hui, je prophétise sur vous. Lenge wana. De même. L'esprit de la mort qui ravage le monde verra le sang de Jésus-Christ et ne vous touchera plus. Au nom de Jésus. Oh, yes. Amen. Voilà. Zacharie 9, verset 11. Zacharie chapitre 9, verset 11, version Darby. Quant à toi aussi, à cause du sang de ton alliance. Ok. À cause du sang de quoi? Ton alliance. À cause du sang de quoi? De ton alliance. Ok. Esa alliance. C'est une alliance. Uh-huh. Quant à toi aussi, à cause du sang de ton alliance, je renverrai tes prisonniers hors de la fosse où il n'y avait point d'eau. Tous, revenez à la place forte, prisonniers de l'espérance. Aujourd'hui même, je les déclare, je te rendrai le double. Alléluia. Alors, mais quant à toi aussi, c'est-à-dire à nous aussi, à cause du sang de ton alliance, c'est ici la nouvelle alliance dans mon sang. C'est-à-dire, il y avait ancien, mais dans la nouvelle, Oyo, Iboyende Tosa. Oh, ma chère. Version Lingala. Zacharie chapitre 9, verset 11. Lingala, Lelo. Yahweh, Alobi Boye. Nakokani salisusu boyukani oyo nasalaka na bino natango bwakela kibino makila ya banyama ya mabonza oyoki aha nakobimisa bato na bino esika bakangi bango voilà nakati ya boloko ya mabulu oyo ezangi mai wana ezani ni liwa mabulu ezangi mai ezani ni liwa namo sadi Verset 12. Pino bato ya boloko oyo bozalaki na Elikia bozonga na ville na bino bamba te bakotonga yango lisusu makasi sikoyo na ebisi bino bolamu oyo na kopesa bino ekoleka bapasi oyo bomonaki. Alléluia. Amen. Ça c'est l'ancien. L'alliance, alors revenez à la place forte. Quant à vous aussi, à cause du sang de ton alliance, c'est une alliance. Il y avait ancienne alliance. Il y a une nouvelle alliance. Ils l'ont vaincu à cause du sang.
balonga ki epona makila. Soki bango balonga ki. Si ils ont vaincu, bisope. Nous aussi nous vaincrons. Obonisiko tuzotuza na ancien alliance. Là nous sommes encore dans l'ancienne alliance. Mais notre kene na nouvelle alliance. Nous avançons maintenant dans la nouvelle. Alléluia. Amen. Je crois que tu es béni déjà. Nandimi sebe desiko zo pambola mi penza penza. Toke na nouvelle alliance. Toke na mali boso. Oh yes. Kanyasika. Luc 22. Luc chapitre 22. 19 et 20. Verset Luc 19, chapitre 22 verset 19 et 20. Version Darby. Et ayant pris un pain et ayant rendu grâce, il les rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 20 maintenant. Verset 20. De même la coupe aussi. Oui. Après le souper, en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. De même la coupe aussi, après le souper, en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Papa, talanan. Maman, tala. Maman, regarde. Papa, regarde. Pourquoi Alobi, cette coupe est la nouvelle alliance? Pour te dire, ancienne alliance, c'est allé, babo makanyama. Mais nouvelle ancienne alliance, oyo, makamo yako makanyama, lisous, taba, ezate. Azui, coupe. Et là, on dit, les coupe. Qu'est-ce qu'il y avait dans la coupe? C'est que nous buvons. Pas tonton, pas tantine. Non, pas de l'alcool. Pas à guéné. Non, pas la guéné. Non. Azui, coupe. Il a pris. Azui, privage. Oka. Il a pris de l'eau, du coca. Alors, cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang. Qui est versée pour vous? Qui est versée pour vous? A connecté. Il a connecté. Cette nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance. Na makila na ye oyo asopaki. Par son propre sang, il versait. La nouvelle alliance dans mon sang. Il a appelé, il a dénommé. Et Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu par le sang de Jésus. Apocalypse 12, 11 a dit: Balonga kipona makila na Yesu. Alléluia. Version Lingala, Luc voilà. Chapitre 22, verset 19. Ouais. Nasima akamati mapa assemblé. Assemblé lipona, popé sans ambe merci. Akati kati yango, pe akabole li baye kolinaye. Alobi, oyo ezali zoto nangai. Na pesi yango pona bino. Bosa la kaboye pona kokani sangai. Verset 20. Nenge moko pe, tango basili si kolia. Apesi bango kopo ya vino. Alobi, kopo oyo ezali makila nangai. Eko sopana. Bino yangonde moto ezali kotia boyokani ya sika na kati ya Nzambe na bato. Boyokani ya sika na kati ya Nzambe na bato. La nouvelle alliance entre Dieu. Boyokani ya sika. La nouvelle alliance. Boyokani ya kale ezali. Ya une ancienne alliance. Mabo makabanya. On tue les animaux. Na boyokani ya sika. Mais dans cette nouvelle, eza breuvage. C'est juste un breuvage. Et c'est l'eau qu'on va mettre là. Amen. Dès que tu pamboli, dès que nous bénissons ce pétage, ça devient le sang de Jésus. Et ça criera pour toi. L'esprit l'amour verra ses signes dans ta maison. N'osera pas te toucher ta famille. Ainsi, prends ton breuvage, place-le devant toi. Je prie directement. Nous prions et nous pratiquons. Voilà. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Praise the name of Jesus. Alléluia. Oh, mashallah, batokeina hébreu. Allons dans le livre de Hébreux. On dit l'Ancien Testament, hein. Nous sommes venus l'Ancien Testament. OK. Yo lingo bumanga kuna omonisko. Toi qui nous critiques souvent, tu as vu. Nous allons maintenant dans le livre de Hébreux. Tout ce qui est là, l'Ancien a renouvelé en bonne nouvelle. Tout ce qu'il avait fait dans l'Ancienne Alliance, il a renouvelé dans la nouvelle. C'est un mystère. C'est un mystère. Je bénis Dieu, il a traité d'alliance. Pour dire qu'il avait une ancienne. Et là, c'est une nouvelle. Voilà pourquoi chez nous faisons. Nous sommes pas des magiciens, c'est la parole de Dieu. Nous sommes pas magiciens, ils allaient le banzambe. Voilà, Hébreux chapitre 12, à partir de verset 22.
Hébreux chapitre 12 à partir de verset 22. Voilà. Mais vous, vous êtes venus à la montagne des Sion. Et à la cité du Dieu vivant. Voilà. Pas la... Dieu mort, pas les dieux morts, les dieux vivants. La Jérusalem céleste. Oui. Et à des myriades d'anges. Voilà. L'assemblée universelle. 23. 23. Et à l'assemblée des premiers-nés écrits dans les cieux. Bisouana. Et à Dieu, juge de tous. Voilà. Et aux esprits des justes consommés. Voilà. 24. Yoka 24. Et à Jésus. Et à Jésus. Et à Jésus. Et à Jésus. Médiateur d'une nouvelle alliance. Oyoki le Jésus. Médiateur quoi? D'une nouvelle alliance. C'est-à-dire ancienne alliance, c'est ça là qui. Voilà, maintenant, voici la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, il a prené les coupes. Et le coutume là. A Pamboli, à Palbi, c'est ici. La nouvelle alliance dans mon sang. Pas comme dans mon sang. Continue. À Jésus. Et à Jésus, médiateur de nouvelle alliance. Et au son d'aspersion. Au son de qui? D'aspersion. Au son de quoi? D'aspersion. Au son de quoi? D'aspersion. Au son de... Au son d'aspersion. Au son de... Aspersion. Il a moins ça. Au bois qu'il a battu. Au qui aspersion ici. Tu as entendu l'expression là? Tel qu'ils ont dans l'Ancien Testament. Dans les lettres de la maison, alobi à Jésus. Na Yesu. Un médiateur de la nouvelle alliance. Moto katikati et au son d'aspersion. Qui fait comment? Qui parle? Mieux. Qui parle? C'est-à-dire, il y a les sons de Jésus parlent plus que les sons de Abel Azamotu. Abel était un humain. Mais Jésus était Dieu. Yayezu ganga koleka et son sang crie plus que celui des humains. Maintenant, na saison yo. En cette saison, que les sons de Jésus crient pour toi et moi. Na katia batu bakozala exempté. Je t'ai introduit au milieu des exemptés. Au nom de Jésus-Christ. Version Lingala. Les sons d'aspiration qui parlent mieux. Dans ces moments où le monde traverse, le sang de Jésus-Christ, l'exception. Afrique noire, exemption. Écrit exception. Au nom de Jésus-Christ. Na Yesu ekanga pona Congo, exemption. Que le sang de Jésus-Christ, Afrique noire, yoso exemption. Pour l'Afrique noire, exemption. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Na bana nzambe yoso bayambi Yesu na mokili mobimba. Pour tout enfant de Dieu, ekanga pona bino exemption. Que le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Exception au nom de Jésus-Christ. Ça. Amen. Ce sont des mystères. Des vérités cachées. Mais les lois sont révélées aux yeux. Que aujourd'hui nous sommes en mesure de les connaître. Voilà. Version Lingala, Hébreux 12, 22. Kasibino, bosi bopuseni pene pene, yamboka yanzambe ya bomoi. Nangomba ya Sion, pe Yerusalem ya likolo. Kunande esika ba angelou, koto na koto. Bazali kosa la feti. 23. Pe bana ya liboso ya nzambe basangani na esengo. Ba oyo bakombo na bango esi ekomama na likolo. Bapusani pene pene ya nzambe. Zuzi ya bato nyonso. Pe epai ya milimo ya bato ya bosembo oyo nzambe akomisa bato ya kokoka. 24. Bopusani pene pene ya Yesu oyo asala boyokani ya sika. Makila na ye elongola masumu nyonso pe esala likambo moko monene koleka makila ya Abel. Makila na ye esali makambo monene koleka nani? Makila ya Abel. Je t'adresse en ce moment. Je prophétise à ta vie, à ta famille. Le sang de Jésus soit un signe, la marque d'intouchabilité. Et le mot combo, tel que ça les a gardés na Egypte. En Égypte, et qu'on batte la bino, ça vous gardera aussi aujourd'hui. Na combo na Yesu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Au moniango dans l'Ancien Testament. Tu l'as vu dans l'Ancien Testament. Moniango na Nouvel Testament. Et tu l'as vu écoute aussi moi dans le Nouveau. Yokanga. Écoute, écoute cette phrase. Qu'est-ce que Jésus a dit? Nini Yesu alobi
Il a dit ceci. Dans Jean chapitre 14. Dans Jean chapitre 14. Jésus lui dit. Yeshua lobi na bango. Verset 6. Jean 14. Moi je suis le chemin. Nga nazali nzela. La vérité. Solo. Et la vie. Bebo moi. Je suis le chemin. Lobi je suis comme le chemin. Il a dit nazane nzela te. Nazan nzela. Le chemin qui va te conduire à la liberté, à la protection, à la guérison, à l'épanouissement, à l'exemption. Je suis le chemin. Jésus a dit que Nazali Nzela. Alobi, je suis la vérité. Nazali pe solo. Vous allez me connaître. Et cette vérité-là va vous affranchir. Jésus et sa parole sont un. Il est la vérité. Troisième alobi, je suis la vie. Si il est la vie, dans son sang, réside la vie. Et quand tu appliques son sang, quand tu bois son sang, aux côtés de sa vie. Tu introduis la vie. Vie ali, là où il y a la vie. Porte, la mort peut venir toquer. Il verra la vie. Et il prendra la poudre d'escampette. Tu as vu comment je fais mes mains? Okay. Il va courir. Parce que la vie et la mort ne résident pas dans Isika Moko. Dès que tu vois la vie, sache que la mort n'est pas là. Si tu vois la mort, sache qu'il n'y a plus de vie. Amen. C'est comme lumière et ténèbres. Là où tu vois les ténèbres, sache qu'il n'y a pas de lumière. Mais dès qu'arrive la lumière, les ténèbres disparaissent. Or, dans son sang, il récite sa vie. Et tu bois son sang, la vie entre. Et la mort ne sera plus demeurée. Je suis comme la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alobi nazanzel folo bebo moi. Si il est la vie, ce qui a zabo son sang, bon moi nae, makila nae, ah, ezape na bon moi. Son sang, makila nae, ah, la vie en elle. Ezape na bon moi, nakati na yango. Tango chenanda. Quand tu l'appliques dans ta maison, la mort vient. Amoni bon moi. Il voit la vie. Il s'est dit désolé, me suis trompé d'adresse. Amen. Alobi. Mosakoli, prouvez-nous encore. Tu as dit, prouve-moi, prophète. Tango, Yesu, Bomoui a rendu l'âme. Lorsque Jésus mourut, lui qui était la vie, a keina séjour des morts. Il entra dans le séjour des morts. Tango liwa. Lorsque la mort le vit venir, my God, dans son pays, dans sa ville, hey, la parole de Dieu nous dit, tous ceux-là qui étaient liés par la mort avaient ressuscité. Parce que là où il y a la vie, yes, la mort ne peut pas hésiter et résister. Ils sont ressuscités et entrent dans la ville de Jérusalem. Lorsque tu appliques les sons dans ta maison, tu libères la vie de Jésus dans ta maison, sur ton corps, sur toutes choses. Amen. Lorsque tu bois les sons de Jésus, tu introduis la vie et la mort ne peut pas résister. Ensemble. Ils ne marchent jamais ensemble. Lorsque tu verras l'un, l'autre prendra la fuite. Regardons Matthieu. Lorsque Jésus est mort, il alla dans ce jour de mort. Lorsque lui a acquis, tous ceux-là qui étaient liés continuent à Jérusalem, étaient ressuscités et entrent à Jérusalem. Par ce service, j'ai introduit la vie de Jésus dans ta maison. Amen. Dans ta maison. La mort est interdite. Jésus. Au nom de Jésus.
Tami. Lisons dans Matthieu. Dans Matthieu 28. Matthieu, à partir du verset 50, si je ne me trompe pas. Oh non. On parle 28, mais. Mabo, chique et pelle était. Ce sont ses brodies. Matthieu, yes, chapitre 27, à partir du verset 50. Oui. Version Darby. Et Jésus, ayant encore crié d'une voix forte, rendit l'esprit. Oui. 51. Mm-hmm. Et voici. Tango a rendu l'esprit. Et l'on est salami. Lorsqu'il mourut, qu'est-ce qu'il dit? Jésus, bon mourut. Jésus l'a vu. Voilà. OK. Et voici, verset 51. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Oui. Et la terre trembla. Mm. Et les rochers se fondirent. Et les sépulcres s'ouvrirent. 52. Et beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent. 53. Et étant sortis des sépulcres après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte ville et apparurent à plusieurs personnes. Tant que Yesu a rendu âme à Kena séjour de mort, batu yoso oyo bakufa ki basantu batelemi. Parce que bomo aye mwe liwa ikanga bangona se. Parce que la vie était venue, la mort ne pouvait les retenir. Écoute-moi. Par le service du sang de Jésus-Christ, je libère la vie de Jésus dans ta famille, dans ta maison, sur vos corps. Et je fais de vous des intouchables. Je fais de vous des invisibles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 27, verset 50, version Lingala. Oui. Yesu akangi lisusu makasi penza pe akati motema. 51. Kaka na tango wana rido monene oyo ezalaka na ndako ya Nzambe na liboso ya esika eleki bosantu. Oui. E pasuki na biteni mibale. Voilà. Banda na likolo tina se. Mabele eningani. Mabele eningani. Mabanga e pasuki. Oui. 52. Basi metier e fungwami. Bato mingi ya Nzambe oyo bakufaka basekwi. Basekwi pona nini? Pourquoi ils sont restés? Parce que la vie était venue. Liwa oyo kangi bango. La mort qui les retenait s'enfuit. Liwa akimi. La mort s'enfuit. Parce que bomo yi akoti. Parce que la vie était entrée. Bisika bomo yi zali. Là où il y a la vie, liwa kuvanda te. La mort ne peut pas demeurer. Corona oyo ezali wa. Corona égale à la mort. Bisika Yesu aza. Là où il y a Jésus-Christ, Akilana Yesu eza. Son sang y est. Ya Yesu ezali. La vie de Jésus y est aussi. C'est lui qui ne boit pas mon sang. Il a dit, oh, mais il n'a pas la vie. Aza na bomoite. So, le sang de Jésus dans la vie. Ndaku, tu l'appliques dans ta maison, ça libère la vie. Eza elembo. C'est un signe. Bisika azali liwa kokotate. Là où il y a le sang de Jésus, la mort ne peut pas venir. La vérité, la vérité. Et salami pour na bango. Ça s'est passé pour si eux. Si l'on vaincu. Ceux qui balonga qui. Lingala lobi bien. Mm. Verset Lingala dit. Ceux qui bango balonga qui. Si eux avaient vaincu. Ils se pètent au colon. Nous aussi nous vaincrons. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Balonga qui pour na makila. Et à cause de leurs paroles de témoignage. Pe na matatoli ya loba na bango. Bango balonga qui na makila. Et vaincu. Par le sang de l'agneau. Nous aussi nous vaincrons par le sang de Jésus-Christ. Dans son sang se trouve la vie. Na katia makila na ebo moezali. Bisika vie eza. Sika bo moezali. Liwa kovanda te. Liwa avanda kate. Yesu akoti na séjour de mort. Jésus entra dans le séjour de mort. Liwa ekanga ki na. Cela que la mort retenait. Batelemi. S'élevèrent. Parce que bo moezali. Parce que la vie leur avait rendu visite. Reçois la vie dans ta maison. Reçois la visite de la vie par ses services. Reçois la vie par ses services. Toi et ta famille. Je fais de vous des intouchables. Je vous rends invisibles. Au nom de Jésus-Christ. La mort verra la vie et prendre fuite au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je crois que révélation je crois que tout ce que tu as reçu t'a beaucoup aidé. Alléluia. Amen. L'alliance du sang. L'alliance du sang de Jésus. Chapitre 6. Retournons dans le livre de Jean. Alléluia. Dans le chapitre 6. Nakosuka wa na makoma makila mais prochainement na kotsa biso na communion du Saint Saint. Je m'arrête ici. Parce que ce sont des vérités cachées. Tu vas sur la religion, tu vas sur la acte depuis des années, depuis à Botama, à Koli, tu vas sur la Saint-Saint, mais tu vas sur la Saint-Saint.
c'est un acte religieux, c'est un mystère, c'est une vérité cachée, c'est un pacte surnaturel. Beaucoup pratiquent la Sainte Cène religieusement, mais ne sachant pas que c'est un mystère du royaume et ça accomplit des grandes choses dans la vie du peuple de Dieu. Mais ceux-là, ils nous ont caché cette vérité. Ils ont gardé la clé. Clé de la connaissance. Eux-mêmes ne veulent pas entrer. Même le pauvre qui veut entrer, ils les empêchent. Ce sont des sorciers. Des méchants. Et si Jésus nous a dit, nous connaîtrons la vérité nous a franchi. Jean chapitre 6, à partir de 45. Jean chapitre 6, à partir de verset 45, version Darby. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous. Jean chapitre 6, à partir de verset 45, 48, s'il te plaît. 48. Verset 48. Moi, je suis le pain de vie. Verset lingala. Pain de vie. Ngai nazali bilei oye pesaka bomoi. 49. Vos pères ont mangé de la manne au désert et sont morts. Verset 49. Bakoko nabino tango bazalaka na esobe baliaka bilei oyo babengaka manne atabongo bakufaka kaka. 50. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que quelqu'un en mange et ne meure pas. Voilà. 50. Kasibilei oyo e utina likolo, soki moto alei yango akokufate. Voilà. 51. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Or, le pain aussi que moi je donnerai, c'est ma chair, laquelle moi je donnerai pour la vie du monde. Pour l'amour, pas pour l'amour du monde. Pas pour l'amour du monde. Alors pour la vie du monde. Dans son chair réside la vie. Dans son sang réside la vie. Tout Amen. 51 lingala. Ngai nazali bilei ya bomoi oyo euti na likolo. Soki moto alei yango akoza na bomoi ya seko. Bilei oyo ngai nakopesa na bato ezali nzoto na ngai. Nakopesa yango po bato bazwa bomoi. Po bazwa bomoi, hein? 52. Les Juifs donc disputèrent entre eux disant, mais comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Aïe, 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 aïe. 52. Mais ce lingala. Awa alobi boye, bayuda babandi kotiana tembe. Balobi, ndenge nini moto oyo akopesa biso nzoto na ye po tolia yango? 53. Jésus donc leur dit, en vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. 53. Yesu azongi selibango, nazali koloba na bino ya solo. Soki bolei nzoto ya mwana ya moto te, pe soki bomeli makila na ye te, bokozwa bomoi ya seko te. Bokozwa bomoi ya seko te. C'est-à-dire, pour dire, na kati ya makila na ye, dans son sang, bomoi vangi, réside la vie. Sur sa chair aussi réside. Mais nous parlons de son sang. Parce qu'il nous a donné son sang. Alors, ça, c'est la nouvelle alliance d'Amos. Dans cette nouvelle alliance, réside la vie de Jésus. Que tu le prennes comme communion. Que tu l'asperges. Dans ta maison, dans ton corps, ça libère la vie. Et là où il y a la vie, jamais la mort ne peut s'approcher. Voilà, lorsqu'il a visité les séjours de mort, tous les saints qui étaient retenus par l'esprit de la mort s'élevèrent parce qu'ils ont constaté que les liens de la mort les avaient lâchés. Jésus est la vie. Alors, je suis le chemin. Alors, la vérité. Et la vie. Dans son sang. Dans sa chair. Réside la vie. Et l'okoyo.
cette pandémie qui tue. Et là où il y a le sang de Jésus, la pandémie est inefficace. Nous respectons toutes les règles d'hygiène. Mais je te demande de mieux respecter la parole du Seigneur. Si nous tous nous humilierons devant le Seigneur, en commençant par nos autorités, tout le pays, nous verrons la main de Jésus-Christ. Il a le pouvoir de faire ôter Azan Ampifo et à Kolongola, coronavirus. Si nous obéirons à sa parole, il est Dieu, il est souverain. Azan Zameyena Konza. Il est Dieu. Monde connaissent ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé, et ils ont une petite adoration. Tel que nous entrons dans ce moment d'adoration. Bon, ton breuvage. Je le bénirai. Je le bénirai. Et au sali en conséquence. Et tu l'appliqueras ici. Communion du sang. Tu prendras la communion de Makila. Tu le mets dans une assiette. Même dans un bassin et tu les jettes dans tous les coins de ta maison. La vie de Jésus va régner là-bas. La mort ne va pas entrer chez toi. Au nom de Jésus Christ.
J'étends mes mains. Sur l'écran de là où tu me suis à la maison, et je déclare tout ce que tu as placé devant toi et béni. Tout breuvage qu'un enfant de Dieu peut boire est béni et sanctifié. Et béni et sanctifié. La commission. Je les transforme par le sang de Jésus-Christ. Jésus, il leur a demandé de remplir ses outres d'eau. Et il les remplit. Et il les transformèrent en vin. Il a dit ce que lui l'a fait comme travail. Moi aussi, je le ferai plus que nous qui croyons en lui. Il prit le breuvage à Pamboli. Et le béni a rendu grâce à ton Nzambe. Alors c'est ici les sons de mon année, de ma nouvelle alliance. Alors oyonde makila nangai oyokani ici. Na minute oy. En ce moment-ci, Seigneur Jésus, Kolo Yesu, na pesio matondo, je te remercie pour ta parole. Bon ali lobana yo pour l'accomplissement de ta parole. Parce que tu veilles sur sa parole pour la parole. J'ai béni. Na bamboli. Privado bana na yo ba televisi boso. Et le connaissez comme la Christo bana no ba chine dans la maison. Commission comme makila na yo. Je le transforme par le sang de Jésus. Parce que au lobby oyo yo salaki ngabe na ko sala kutu kole. Parce que tu nous as promis de faire plus que ce que tu fais. À ton nom Jésus Christ de Nazareth. Combo na yo Jésus Christ. J'ai béni tous ces privages. Na bamboli. Na commission comme makila na yo. Je le transforme par le sang de Jésus. Et dege bazo asperger ndako na bango. Et tel qu'ils vont asperger leur maison. Et sur eux-mêmes, na libéré esprit de vie, na bimisi molimo ya na pameli molimo ya liwa. Et je chasse l'esprit et na commissi no intouchable. Je vous transforme en intouchable. Na déclaré, je déclare 1000 tombés à gauche. Koto na koko ya ngamu na mobali. 10,000 tombés à droite. Koto na ngamu ya mwasi. Mais vous ne serez pas atteint. Kasi boko sima matasi ko kete. Na bimisi no intouchable. Je vous transforme en intouchable. L'esprit des morts. Molimo ya kufa. Verra les sons de Jésus. Je déclare votre maison est comme invisible. Au nom de Jésus. Je vous bénis de tout mon cœur. Vous êtes béni. Vous êtes béni. Vous êtes béni. Au nom de Jésus Christ. Merci mon Dieu mon roi. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Zoyango. Prends-le. Jette-le dans tous les quatre coins de ta maison. Tu peux jeter un peu dans l'eau. Asperger. Tu asperges. Okay, même à l'extérieur de la parcelle. Sur la porte, sur les enfants. Aussi comme Dieu. Et vous pouvez aussi boire vous un peu. Vous êtes préservé. Pour combattre la mort. Attaque et l'eau mon Dieu. Même si tu étais atteint, la vie est entrée. La mort sort. Nous attendons vos témoignages. Écrivez-nous. Faites des vidéos sur WhatsApp. Audio WhatsApp. Même des autres. Avec des vidéos. Afin que le monde sache ce que Jésus est capable de faire. Que Dieu vous bénisse. Ça m'a pas la branché. Ça l'a connecté. À la prochaine. Mercredi, vendredi et dimanche, nous sommes là live. Mercredi à 10h, vendredi à 17h et dimanche à 7h. Et si Maya Matia rediffuse aux Hollande, ça m'engage à Pamola Bino. En live mercredi à 10h, vendredi à 17h, et dimanche à 7h. Paix la barre diffusion, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Amen. Dikana prophétiser na vie. Na sapela na boye. Bista balinga bazo kufa ko kufa te. Eloko pomi tata na yo ko poma yote. Eloko pomi mama ko poma yote. Ya ye. Les jours de chaque chrétien. Bon pour nous. Passe à quoi? Que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle et tu commences à spiritualiser ta vie.
commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe apathie à l'élo, n'a commis sur intouchable. Amen. N'a commis sur invisible. Na yoko kotsa yo na linye ya batu ba isapa makambo ya denye wani. Na linye ya batu ba isapa makambo ya denye wani.